Qu'est-ce qui se passe exactement? J'en sais rien. Voyons ce qui arrive si on s'en va. Oh, cette porte a dû coûter cher. Du studio qui vous a offert Shrek, Kung Fu Panda et Madagascar. Salut, moi c'est Georges Barnabé et lui c'est mon meilleur ami, Harold Hébert. On dessine des BD et on adore se faire rire. Et ce vieux bonhomme, c'est Monsieur Bougon. Georges, Harold. C'est le pire directeur d'école du monde. Depuis votre arrivée dans cette école, on vous a tenu responsable de beaucoup trop de plaisanteries. Certaines ont été plutôt compliquées à mettre en œuvre. Tu te souviens du tigre? Oh, ce tigre était malade. Je vous avais prévenu que je vous coincerais un jour. Je m'apprête maintenant à vous placer dans des classes séparées. Je vais enfin anéantir votre amitié. Georges, fais quelque chose. Vos escrayons, Monsieur Bougon, ou je vous hypnotise. Est-ce que c'est... Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Quand je ferai claquer mes doigts, vous obéirez à tous mes ordres. Vous êtes maintenant le fabuleux Capitaine Bobette. Tra-la-la. Honnêtement, je croyais pas que ça fonctionnerait. Cet été... Venez, cher Shrek. On doit l'arrêter. Pourquoi? Pousse-toi du chemin, bozo. Merci, monsieur qui conduit une voiture. T'as raison, on devrait peut-être le ramener. Leur plus grande création... Capitaine Bobette, vous pouvez pas vraiment voler. Je monte vers le ciel, telle une autruche. Wow, il est vraiment stupide. Et maintenant, leur plus gros problème. Je vais t'avoir, sale monstre! Vous allez voir, les gars! Il va se dégonfler! D'après le phénomène international. Bonjour, classe, je suis votre nouveau professeur. Pas un gars effrayant qui couvre un plan secret diabolique. Les gars, vous inquiétez pas, je m'en charge. Oh oui, il s'en charge. Tout est mis bout à bout comme ça, on a vraiment un tableau complet. Les aventures du Capitaine Bobette de DreamWorks. Pour Rome, on dirait que vous êtes prisonnier d'une sorte de boîte invisible. Est-ce que c'est normal que tout ça m'amuse autant? Oui et non. Je vais vous libérer. Oh, mais plutôt oui. Bientôt à l'affiche.